d'entreapercevoir le fameux petit drapeau vert dont vous parliez tout à l'heure, Marie-Pierre. De nouveau une roumaine, avec un salto avant, net en réception cette fois. Elle est un petit peu plus jeune. Grand espoir pour Sydney, Andrea Raducan. Et certains disent qu'ils ne l'ont jamais vu sourire, Marie-Pierre. Vous l'avez déjà croisée ? Oh, magnifique ! Je l'ai croisée en effet, elle ne sourit pas beaucoup, mais cette fois, elle est concentrée. C'est difficile de sourire avant et sur la poutre. Je ne sais pas si vous avez vu cet élément, juste avant, avec cette vrille, le corps groupé. C'était superbe. On en voit très très peu, parce que c'est assez aléatoire, il faut dire. Et il est important, en compétition, de réussir. Championne du monde, Andrea Raducan à Tianjin en Chine, au sol et par équipe. De nouveau un salto avant. Deux petits sauts chorégraphiques, deux petits niveaux, je dois dire, mais qui sont indispensables dans la composition de cet engrais. Et je pense qu'elle se prépare pour la sortie. En coup de pied à la lune, flic-flac serré, double salto arrière, le corps carpé, avec un petit rebond en réception. Eh bien, fort joli passage d'Andrea Raducan. C'est du très bon travail, en effet. Alors, quels vont être les heureux élus